Inquisitrice, les ouvriers sont en train de terminer la construction d'un ascenseur vers les tréfonds. Aucun signe des engeances pour l'instant, mais les séismes sont violents. Je dois rencontrer une façonneuse du nom de Valta. Elle vous attend en bas. Vous ne trouverez pas de nains d'Orzammar à la surface. Leurs règles les en défendent. Combien de séismes ont eu lieu depuis votre arrivée ? Au moins 3 gros. Et leurs répliques n'étaient pas rien non plus. La terre ferme me manque. Le rapport de Joséphine évoquait la destruction de plusieurs mines de l'Irium suite au séisme. Vous verrez ce qu'il reste de celles-ci en descendant. D'après ce qu'on m'a dit, les autres ne sont pas en meilleur état. Vous n'avez vu aucune engeance par ici ? J'ai affûté mes flèches au cas où, mais je n'en ai pas vu. Je ne vais pas me plaindre. À vous entendre, on dirait que vous ne portez pas Orzammar dans votre cœur. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Les Matlum, comme moi, n'ont pas le droit d'entrer dans la cité. L'ascenseur vous attend. Essayez de ne pas trop bouger, et ne vous approchez pas du bord. La descente est longue. Ça me rappelle une histoire. Quelle surprise! Celle d'un nain d'une beauté sans pareille, et de son ami couronné roi des cochards. Roi des cochards? Sérieusement? Pas de quoi être jaloux. Les cochards ne sont bons qu'à se rouler dans leur merde. Bienvenue dans les tréfonds. C'est moi ou cet ascenseur est le plus lent de tout Edas? C'est mieux que rien. Je ne serais pas contre un peu de musique. Un petit air de flûte? Je me suis toujours demandé si j'allais mourir ici. Vous n'êtes pas encore mort. La journée ne fait que commencer. Vos noms ne seront pas oubliés. Vous devez être Valta ? Atrast Vala, Inquisitrice. Le Façonna vous souhaite la bienvenue dans les Tréfonds. On dirait que vous vous cachez. En tant que citoyenne d'Orzammar, même un simple coup d'œil à votre ciel pourrait me coûter mon poste et faire de moi une paria. Impayable, ces vrais nains. Que fait un façonneur, au juste ? Nous documentons la vie de notre peuple. Vous êtes des historiens. Et des érudits, et des généalogistes. Les façonneurs d'Orzammar préservent le savoir dans des archives appelées les mémoires. Nous consignons ces mémoires au Lyrium pour garantir leur pérennité. Chaque détail est important. Mon ambassadrice m'a exposé la situation, mais il semble qu'il y ait eu d'autres séismes. Chaque secousse ouvre une nouvelle fissure dans les tréfonds. Notre situation s'est aggravée depuis que nous avons contacté Force Céleste. Les séismes ont bouché cette mine et brisé un sceau qui tenait les engeances à distance. La Légion des Morts n'est pas parvenue à réparer le sceau, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de l'Irium. Qu'adviendra-t-il si nous perdons d'autres mines de l'Irium ? La surface, et en particulier l'Inquisition, me semble-t-il, a besoin de l'Irium pour toutes sortes de magies. Quant à Orzammar, son économie dépend largement du commerce du l'Irium. Sans lui, c'est le chaos assuré, à la surface comme en dessous. Orzammar a l'habitude des engeances. Pourquoi solliciter l'aide de l'Inquisition ? La Légion n'est pas apte à gérer un désastre de cette envergure, et la Garde des Ombres n'a pas répondu à nos appels à l'aide. Toute menace à l'encontre de l'industrie du Lyrium doit être neutralisée immédiatement, et l'Inquisition est la seule force qui en soit capable. J'ose espérer que les membres de cette Légion des Morts sont bel et bien vivants. Oui, mais ils sont prêts à mourir. Pardonnez ma brusquerie. Je crains les dégâts que cette secousse a pu causer.
Suivez-moi jusqu'au campement de la Légion. Distance! Maintenant, tant qu'il est distrait! L'ogre est arrivé jusqu'ici. La Légion doit être submergée. Dépêchons-nous. Je ne m'habituerai jamais à la puanteur des engeances. Même l'air est corrompu par leur faute. Là, c'est le sceau rompu. Dans les tunnels.
continuer comme ça. Le sceau est dégagé. Amorcez les charges. Maintenant, mettez les charges en place. Inquisitrice, voici le lieutenant Ren, vétéran du 5e enclin et l'un des meilleurs commandants de la Légion. On l'a payé pour dire ça. Merci pour votre aide, Inquisitrice. Ensevelir ce sceau nous a fait gagner du temps. Ces vermines nous malmenaient depuis des jours. Maintenant, elles sont coincées. Combien de tréfonds y a-t-il ? Jusqu'où vont-ils ? Ils peuvent vous conduire d'un bout à l'autre de Tedas, si vous avez des tendances suicidaires. Les routes reliaient autrefois des cités naines séparées de plusieurs centaines de kilomètres. Et puis les engences sont arrivées. Ren et moi avons exploré la région. Nous avons fait du ménage, mais le chemin est long. Une croix sur la carte, une armée à combattre. Une croix sur la carte, un trou à éviter, et ainsi de suite. J'ai comme l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux. Le Façonnal a envoyé déterrer des reliques et m'a demandé de veiller sur elles. C'était il y a 3 ans. Vous êtes libre de partir. Pas tant que nous aurons une cause à défendre. Pour un si petit groupe, vos hommes font preuve d'une grande résilience. Les séismes nous ont coûté de nombreuses vies. Les renforts mettront du temps à arriver. À couvert. Dans les secousses. Plus clair, plus fort, plus insistant. Je l'entends, mais ça ne prouve rien. Ces séismes ne sont pas des catastrophes naturelles. Ils sont provoqués par une forme d'intelligence. Comment un séisme peut-il être provoqué ? Les secousses naturelles sont fréquentes ici. Mais celles-ci sont différentes. Et elle croit savoir pourquoi. J'ai trouvé un ancien texte lors d'une expédition avec Ren l'année dernière. À l'époque, ça n'avait guère de sens, mais maintenant... Le texte décrit de gigantesques créatures souterraines appelées Titans, qui chantent dans la pierre et la façonnent. Quand les séismes ont commencé, nous avons entendu ce rythme, il me semble. Je crois qu'un Titan est à l'origine de toute cette destruction. Je n'ai jamais entendu parler de Titan. Vous pouvez m'en dire plus ? Le texte que j'ai trouvé datait d'avant le premier enclin. La plupart de ses pages s'étaient décomposées. Et les mémoires d'Orzammar ne font pas mention des Titans. Ce qui veut bien dire quelque chose. Tout ce que j'ai entendu, c'est un séisme. Comment se fait-il que Ren et vous perceviez un rythme ? Notre peuple entretient un lien privilégié avec la pierre, que les surfaciens ne partagent pas.
Les façonneurs ont une grande affinité avec la pierre, en particulier Valta. Elle ne se perd jamais. Vous parlez de la pierre comme s'il ne s'agissait pas que de simples parois. La pierre est éternelle. Elle était là bien avant nous, et le sera longtemps après. Mais la pierre n'est pas votre dieu ? Nous ne la vénérons pas, mais nous la respectons et l'honorons. La pierre nous donne notre force, que nous lui rendons lorsque nous quittons ce monde. C'est difficile à expliquer. Je suis là pour empêcher les séismes de détruire de nouvelles mines, peu importe leur origine. Voilà une femme d'action. Bien. Et si le texte que vous avez trouvé n'était qu'un conte pour enfants ? Nul ne peut le savoir tant que nous n'aurons pas trouvé la source. Le rythme que j'entends dans les séismes émane des profondeurs. La pierre va nous y conduire. Et si les choses dégénèrent, nous nous tiendrons prêts. Il y a un ascenseur dans le passage voisin. C'est quand vous voulez. Nettoyer, hein? Maintenant que tu l'as dit, ça va forcément arriver. Ce ne serait pas une bonne chose, c'est ça? La plupart des engeances sont des machines à tuer sans cervelle, liées par la corruption de l'Enclin. Mais les émissaires sont intelligents et se servent de la magie. Hurleur.
Il fallait que ce soit des hurleurs. Je pensais que vous seriez habitué à toutes les espèces d'enfants. Chacun a ses préférences. Ceci appartenait à un nain en exil. Il faisait des expériences sur le lyrium brut. Elle a quelque chose d'étrange. Elle ressemble aux nôtres, mais... Il manque des pièces. Il faut les retrouver. Il n'y a pas d'autre passage. Cette pièce est chaude. C'est étrange. Je ne reconnais pas ce métal. Mais il ne nous en faut plus qu'une. Nous avons trouvé suffisamment de ces drôles de pièces. Retournons à la porte.
regardons toutes les pièces qu'on trouvera.